À cause de Mougouli, il y a les gens qui vont pas avoir longue vie. On écoute attentivement Audrey, on partage massivement cette vidéo-là pour sauver des vies. On écoute. Papa qui joue vite, tu dis voilà ton médicament qui est là. Papa de Junior, dès que tu commences, dès qu'on te caresse un peu net, tout ce qui est dans ton corps là, tu vomis tout. Dans Abidjan ici, si toi on continue de bouffer ton argent gratuit, c'est que toi tu es un premier gaou. Tu es un deuxième gaou, tu es un gaou. C'est ça là tu donnes aux gens. Je dis voilà le sirop de la gloire glorieuse. Tu veux faire un film, un long film qui se termine pas, un film de Salonie. Viens prendre ton sirop qui est là. Il est accompagné d'un comprimé. Je dis que puissance la puissance. Audrey, tu fais ça. La même poutou ne peut pas s'arrêter devant. Il dit c'est le dosage du dosage qui est là. Un litre de sirop, tu fais ton traitement. Il n'y a rien à dire. Depuis que moi je suis né, je n'ai jamais entendu qu'une femme est morte en bas des garçons pendant les rapports. Je n'ai jamais entendu ça. C'est toujours les hommes, on entend qu'un homme, il est allé s'amuser, il a testé une go, il est resté. C'est toujours les corps des hommes au retour dans des hôtels pour faire sortir. Parce qu'ils sont allés faire un match, ils voulaient se jouer les denrées, il est mort, il est resté. Les femmes, c'est vrai, il y a d'autres qui fuient. Quand les gars prennent les médicaments là, déchirés, caleçons, etc., il y a des femmes qui fuient, c'est vrai. Mais elles ne meurent pas en bas des garçons, c'est toujours garçons qui meurent en bas. C'est-à-dire que Audrey même là, son professeur d'SVT ne peut pas acheter les médicaments qu'elle a parce que lui, il sait qu'au moins, il donnait les cours. Sur les accidents cardiovasculaires, Audrey n'était pas en classe. Au moment où il donnait les cours sur la grande et la petite circulation sanguine, Audrey n'était pas en classe. Donc, Audrey n'a pas compris quelque chose. Audrey ne sait pas que l'érection d'un homme, là, c'est le sang qui descend dans son mouvement. Audrey ne sait pas ça. Donc, c'est-à-dire que si ton mouvement est une érection pendant 2 heures du temps, là, champion, c'est ton sang qui est bloqué là-bas pendant 2 heures du temps. Alors que le sang doit circuler dans le corps. C'est-à-dire qu'il passe partout, il vient dans le cœur, il ressort, il monte dans le cerveau, il passe dans le cœur, etc. Mais toi, tu bloques le sang dans ton mouvement pendant 2 heures du temps. Et le fait que le sang qui est dans ton mouvement n'est pas alimenté en oxygène, cela fait que ton mouvement, là, le sang qui est là-bas, va commencer à se coaguler. Ça va commencer à créer des petits caillots. Et ces petits caillots sanguins, là, une fois que tu as fini de faire ton championnat de 5 heures, hein, le sang va reprendre sa circulation. Mais ce que tu oublies, c'est que tous les veines n'ont pas la même taille. Il y a des veines qui sont très petites, très fines. Et lorsque ce petit caillot-là va aller se bloquer quelque part avec ton cerveau, là, tu seras paralysé d'une main. Tu seras paralysé d'un pied parce que tu as pris un médicament de Audrey pour pouvoir faire 2 heures si Vanessa. Voilà la mort qui est venue te trouver comme ça. Que tu es parti payer ta mort toi-même gratuitement chez Audrey parce que Audrey n'a pas fait coup d'SVT. Ce qui fait même que les morts là déjà sur les femmes là, pendant les rapports. Là. Le sang est censé circuler dans tout le corps. Mais toi, à cause des championnats, si Vanessa, tu as décidé de garder le sang dans ton mouvement pendant 2 heures du temps. Et c'est ce qui fait que beaucoup perdent connaissance. C'est-à-dire qu'ils perdent connaissance, ils commencent à tomber dans les vapes parce que son sang n'arrive plus à son cerveau. Alors que le cerveau a besoin que le sang passe pour pouvoir être alimenté. Mais toi, tu as décidé que le sang qui doit alimenter ton cerveau doit être bloqué dans ton mouvement. Tout ça là parce que tu veux faire plaisir à Vanessa. Tu as payé poulet, tu as payé bière, tu as payé hôtel. Tu as loué voiture, tu as loué chambre, tu as donné l'argent des transports, l'argent même pour que sa maman va la laisser sortir, tu as envoyé. Tout ça là pour pouvoir faire un coup. Voilà un coup là qui t'a emporté. Partagez cette vidéo là pour pouvoir sauver des vies, comme je l'ai dit. Partagez massivement pour pouvoir sauver des vies. Je comprends maintenant pourquoi est-ce qu'ils ont pris une Camerounaise pour faire la maîtresse des influenceurs de Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas la peine. Si c'est ça, là, on vient d'ici les réseaux sociaux, ce n'est pas la peine.